Bonjour, je m'appelle Frédéric Guimbal, je suis président fondateur de Frégate. Frégate est un groupe qui s'est développé dans le secteur aéronautique. Nous avons su nous diversifier dans le cadre de construction pour les avions d'affaires, construction pour les hélicoptères, construction pour le militaire aussi. La crise du Covid est aussi une opportunité pour nous développer et pour avoir des idées liées à un développement technique et technologique et numérique. Si Frégate était un modèle d'avion ou un avion, je pense que Frégate serait un hélicoptère. La fonction de l'hélicoptère est une fonction extrêmement polyvalente, à la fois de service, de sauvetage. C'est le seul aéronef qui a sauvé plus de vies qu'elle en a perdu. Frégate fabrique des objets qui sont des objets métalliques, donc on est dans le physique. Mais le numérique est présent, on a développé beaucoup les outils de supervision, les outils d'aide à la décision et en particulier pour donner une capacité de subsidiarité, donner aux équipes la capacité de prendre les meilleures décisions tout en ayant l'information qui leur arrive en temps réel, à la fois des incidents, à la fois des disponibilités de matériel, à la fois des exigences clients qui peuvent évoluer. Dans 10 ans, l'entreprise, déjà j'aurai un peu plus de cheveux blancs, peut-être un peu moins de cheveux tout court. C'est très difficile de se projeter dans 10 ans. On aura toujours l'humain qui sera présent et dans des conditions d'agrément de travail qui seront encore supérieures, c'est-à-dire avec une capacité d'avoir le sentiment d'être efficace et de travailler abreuvé d'exactement ce qu'il lui faut au bon moment et à la juste valeur. Et donc je pense que ça sera plus de plaisir pour les gens qui travaillent dans l'entreprise parce qu'ils auront un numérique qui sera à leur service. Et dans le cadre de l'usage du numérique, le plaisir d'utilisation fait partie vraiment des choses importantes. Effectivement, les temps modernes ont donné une image très négative de l'industrie. L'industrie de production de masse a évolué parce que généralement, quand c'est des productions de masse, ce sont des machines. Et ce qu'il reste à l'humain, c'est la partie noble, c'est-à-dire soit un travail très artisanal, soit un travail qui consiste à aider la machine et programmer la machine sur les productions à venir. Donc l'humain est très présent. De toute façon, une entreprise, ce ne sont que des humains. Le reste ne sont que des servitudes.